Candide Azanani, le ministre démissionnaire de la rupture, était chez Albert Tevoedre hier. Qu'est-ce que les deux grands hommes ont pu bien se dire? Des précisions dans le journal de Frématin. La sortie du président du patronat fait toujours couler beaucoup d'encre et de salive. C'est un véritable buzz sur les réseaux sociaux. Nous y reviendrons dans un instant au menu de Frématin. Le journal, la une des journaux Free Sport et les prévisions astrologiques. Bienvenue, bonjour. Enoch Larare, bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes. Bonjour. On démarre par le quotidien La Nation qui titre ce jour Assemblée nationale, la loi sur les zones économiques spéciales adoptée. Puis Fraternité, rencontre secrète avec les 60 députés soutenant le chef d'État, l'homme politique Talon avance. Et puis le matinal, Assemblée nationale à Nocibé dans le collimateur des députés. Matin libre, gestion du Bénin les 4 prochaines années. Ça se complique pour Talon Express, Actu Express, gestion politique du Bénin de ces dernières décennies. Les idoines appréciations d'un observateur averti, l'Indépendant, invité sur l'émission Le Débat africain de Alain Foucault sur RFI. Talon est clair sur sa gestion et les réformes engagées. Le matin, maintien de la fermeture des frontières bénino-nigériennes, embargo sur les marchandises en provenance du Bénin. Puis le potentiel dossier PVI et cocaïne sous douane, les explications de la hiérarchie douanière attendues. Et puis Nord-Sud quotidien politique, Azanaï a enfin parlé, Tevoedre, quand la politique colle à la peau du Moine. L'Inter Express pour finir, Salif Ouedraogo, après son audience avec le chef de l'État, Patrice Talon, est soucieux du devenir de ses citoyens. La revue de presse est prévue pour 10h sur EZAO TV. Merci à vous, Enoch Larade. On rappelle que tous ces quotidiens sont disponibles sur l'ensemble du territoire national dans les kiosques. Voici le journal avec Kader Achirou. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège, amis téléspectateurs, bonjour. L'ancien ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la défense nationale, Candide Azanaï, a été reçu hier après-midi par le professeur Albert Tevoedre. Une rencontre qui intervient quelques heures après celle tenue avec l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. De sources proches de l'entourage du ministre démissionnaire de la rupture, Candide Azanaï est allé présenter au frère Melchior sa lecture des derniers développements de l'actualité nationale. Il s'agit entre autres de l'échec du projet de révision de la constitution du 11 décembre 1990, sa démission du gouvernement, notamment le retard accusé pour sa passation de service et la guerre froide entre Patrice Talon et Sébastien Germain à Javon. C'était une brève pour ouvrir cette édition et revenons sur la sortie médiatique de Sébastien Germain à Javon le week-end dernier. Le président du patronat a relevé plusieurs irrégularités et illégalités dans le programme de vérification des importations PVI suspendu par l'ancien régime et relancé par l'actuel en place pour accroître les ressources de l'État. Une déclaration qui a été rendue publique lundi dernier sur plusieurs télévisions et radios nationales et internationales et ce au cours d'une émission à bâton rompu avec les confrères Nadège Diwan, donc Lama Balo et Joël Arvodji. On écoute le patron des patrons pour plus de précisions. Le programme de vérification de l'importation dont on parle, pourquoi ce n'est pas en Europe? Pourquoi c'est seulement en Afrique qu'on amène ces... Mais ce n'est pas seulement au Bénin, c'est dans d'autres pays. Mais je parle de l'Afrique. Mais ce n'est pas parce que les gens font mal que nous allons les copier. Ce qui s'est passé avec cette histoire de PVI à l'époque... Nous, on a perdu des plumes, hein, on a perdu des milliards, nos entreprises au Bénin. C'est juste PVI, ça veut dire quoi? On vient se gréver sur les importations par une société privée qui prend de l'argent sur chaque conteneur débarqué au Bénin. Donc, il y a le scanner quand même, monsieur le président. Je vais vous expliquer. La vérification. Je vais en arriver. Je vais en arriver. Le scanner, on pouvait doter de notre port des scanners. La douane devait avoir ces scanners depuis. Et ces scanners, je vous jure, même à 4 scanners, on serait autour de 10 milliards. Et donc, ça allait être la propriété de l'État. Et si on doutait même de la franchise des douaniers, on pouvait mettre des unités mixtes. On pouvait faire d'autres combinaisons pour mieux cerner la chose. Mais on n'a pas besoin d'amener une autre entreprise privée qui se fait que cette entreprise
est où était l'entreprise de notre président de la République. Il n'est plus propriétaire de cette entreprise. Mais il a été, même pour l'éthique, seulement l'éthique, cette entreprise ne devrait plus faire affaire avec l'État. Ça, c'est pour ce qui concerne le scanning. Le scanning, avec 10 milliards sur plusieurs années, nous allons gérer correctement le scanning et contrôler, scanner plusieurs conteneurs chaque année. Le 4e congrès ordinaire de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin, s'est tenu hier à Cotonou. À cette rencontre, les congressistes ont échangé autour du thème « Problématique de l'emploi des jeunes au Bénin, rôle et responsabilité des organisations syndicales dans la gouvernance politique, économique et sociale pour un travail décent ». C'était une brève. Le comité d'organisation de la 2e édition des Journées Médias a tenu hier une conférence de presse sur les grands rendez-vous de cette initiative de Elan Média et Leader Press Club. On écoute Gisèle Adimi, André Dossa et Josué Fortuné Merouenou pour plus de précisions. Pour les chaînes qui ne voudraient pas être dérangées par le bruit du village, il y aura une cabine fermée, climatisée, où on pourrait faire des émissions à l'intérieur. On pourrait faire des interviews à l'intérieur. On pourrait rester là et travailler tranquillement tout au long de la journée. Les journées médias cette année, on peut y rester du matin jusqu'au soir parce que, contrairement à l'année dernière, le site sera entièrement couvert et nous mettra à l'abri des intempéries, notamment la pluie, le soleil. Il l'a précisé, nous aurons donc des activités intellectuelles comme l'année dernière, notamment des conférences, des débats publics sur le site au village des médias et les séances de communication avec nos jeunes frères, jeunes sœurs encore en formation dans les écoles. Nous allons, comme l'année dernière, nous déplacer vers eux pour les entretenir, notamment sur des thèmes ayant rapport à la formation et des thèmes ayant rapport au thème de l'année que nous n'avons pas encore pu circonscrire. Donc il y a plusieurs activités intellectuelles, comme l'année dernière, chaque matinée il y aura des rencontres intellectuelles. Et sur le site, les soirs, c'est les discussions à bâton rompu, les conférences, débats. Les B2B auront également lieu, les acteurs, ceux de l'année dernière. Ceux qui n'ont pas pu se déplacer l'année dernière sont en train de se faire annoncer pour venir également entretenir le public. Vous tous qui êtes ici, vous pouvez venir au village des médias si vous avez un thème à développer, si vous avez quelque chose à dire. Le micro est donné à tout le monde parce que les 8 jours d'activité, c'est pour nous, c'est pour tous les acteurs des médias. Ce sera un message d'exhortation. J'ai entendu dire, ne soyons pas des cordonniers mal chaussés. Je crois que nous sommes prouvés depuis l'année dernière que nous ne sommes plus des cordonniers mal chaussés. Parce que, à travers la première édition des Journées des médias, nous nous sommes révélés à nous-mêmes et nous nous sommes révélés à la communauté. Nous sommes partis de rien, on a juste eu l'idée, on s'est battu pour la concrétiser. Et je dois dire toute ma fierté de voir cette initiative réussir. Le JMB, c'est une occasion pour les professionnels des médias de se connaître davantage, de sympathiser, de partager, de s'épanouir. Et cette année, on se bat pour que la fête soit plus belle. Vous voyez, le nec le plus ultra cette année sera la présence d'un grand frère. C'est des gens que nous avons vus, à qui nous avons tenu le pantalon en son temps. Ils nous ont permis d'exister avec eux. Aujourd'hui, ils sont des monuments. Ils font partie des monts sacrés de la profession. Je parle de Eric Arounou, qui va exposer de très belles choses. Merci à lui déjà. Je voudrais inviter donc les confrères à venir massivement au JMB. Venez fêter, parce que le 3 mai, c'est notre fête. L'École supérieure d'administration d'économie en journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE a démarré ce mardi 18 avril 2017 des activités entrant dans le cadre de ces journées culturelles. Ainsi, hier au stade René Pleuvel de Cotonou, les étudiants et autorités administratives de cette université se sont affrontés dans un match de football qui, à l'issue, a donné un score de 0 buts partout.
Je vous invite à présent à suivre les impressions des joueurs des deux parties à l'issue de cette rencontre footballistique. C'est Isaac qui est en train de fêter. Donc, on a décidé de jouer un match entre les étudiants et puis le staff. Donc, et on a programmé, c'est ça, on a joué tout à l'heure. Et le match, c'est sorti parce que match nul. On a constaté beaucoup d'erreurs de positionnement, donc ce qui n'a pas trop favorisé l'équipe. Et je dirais que, bon, ça s'est équilibré, mais il faut, ce qui est déplorable dans le match, c'est que l'arbitre aussi n'a pas eu un sang-froid parce qu'on a constaté que de l'autre côté, il y avait des fautes qui n'étaient presque pas sifflées ou qui n'étaient pas sanctionnées normalement de carton. And the game was quite good. I enjoyed the game. It was a fun match, an entertainment match. As you can see, the fans are really happy to be entertained by the match. So it was a very, very good match. Both sides played well. It ended draws, zeros. Il y avait un mélange quand même de joueurs plus ou moins talentueux. Nous, on était en sous-effectif, mais vu l'entraînement régulier auquel on est soumis, individuellement parlant, bien sûr, parce que, croyez-moi, certains d'entre nous s'entraînent énormément. Donc, ça a donné ce que ça a donné. On a fait un match. Mais on pouvait quand même marquer vers la dernière demi-heure. Mais je pense que dans l'ensemble, ça va. En somme, c'est Isaac qui gagne. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition sur Free Matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous Kader Achirou pour la présentation. Le journal La Grande Édition est prévu pour 19h sur Ezaoui TV. Voici le débat. Dans le débat sur Free Matin, nous revenons donc sur la sortie du président du patronat Kader Achirou. On a remarqué que ce fut une véritable buzz sur les réseaux sociaux. Ça a été vraiment suivi. Oui, ça devait être suivi parce qu'il s'agit de Sébastien Germain Ajavon, qui est d'abord le patron des patrons, qui est le roi du social au Bénin, le président de GEFA, si on peut le dire. Le président de GEFA, parce que, oui, le président de GEFA, le président de GEFA, c'est son fief. Et, d'accord, et, oui, d'accord. Et l'homme, on connaît quand même comment il est adoré par les populations de Topa et d'autres. Vous imaginez, je me rappelle lors de la présidentielle passée où j'étais un jour à Ifoyi, une dame dit qu'elle n'a jamais vu ce monsieur, mais quand même, il a réalisé des latrines et des salles de classe où s'est mis ASG. Donc pour elle, elle le connaît. Donc je pense que dans tous les coins et recoins du Bénin, on connaît quand même Sébastien Germain Ajavon, d'abord à travers ses œuvres sociales et caritatives. Donc je pense qu'il était quand même un acte réflexe pour tout Béninois, que ce soit sur le plan national comme international, de chercher à voir, comment on appelle, qui est Sébastien Germain Ajavon et qu'est-ce qu'il a pu dire après 6 mois de silence. C'est pour ça que vous allez voir que sur les différents sites où ces vidéos ont été postées et mises en ligne, vous allez voir que ça c'était à des milliers de vues. Ça même sur, sur WhatsApp, même jusqu'à ce matin, des extraits ou des capsules même réalisées par les AVTV sont en train de se relayer incessamment. Donc il s'agit de Sébastien Germain Ajavon, c'est lui qui a parlé, donc on veut quand même voir. Je dirais même que ça a même plus de buzz que les différentes sorties effectuées consécutivement par Patrice Talon, il s'agissant de RFI, de France 24 et d'une autre télévision chinoise. Je pense que ces interviews ont été mises en ligne, mais il n'y a pas de vues. N'a pas été suffisamment relayé, certainement. La dernière fois, je suis allé voir une d'entre elles qui est à 231 vues sur YouTube, alors que, par exemple, une vidéo de Sébastien Germain Ajavon a plus de 14 000 vues. Donc, je pense qu'il n'y a pas égalité. Alors, Enoch Lahari, est-ce que vous pensez que le peuple béninois se dit déjà qu'est-ce que Talon peut bien encore nous dire? On le sait, écoutons peut-être Ajavon pour savoir ce qu'il propose, lui. Oui, c'est vrai que Talon est en train de faire un peu d'amalgame. Il va un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. C'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Peut-être que les Béninois sont fâchés parce que sur RFI l'autre fois, c'est carrément autre chose qu'il est encore allé dire. Vu que lui, sur l'ORTB, avait dit autre chose qui était suivi. Et sur RFI, il revient encore dire autre chose. Donc, je crois que les Béninois ne sont pas en train de le suivre, je crois. Ajavon a fait sa sortie médiatique. Vous avez vu que ça a eu beaucoup de vues. Bon, c'est évident, puisque après un si long silence, vous avez vu, même la sortie de Komi Koutier aussi avait eu autant d'audience. Effectivement. Voilà, donc quand vous reculez, vous avez le temps d'apprécier, vous avez le temps... Mais le président Talon a beaucoup reculé quand même, avant de sortir, on ne l'a pas vu. Ça son lui-même, bilan, de l'an 1. Non, le président Talon, il était là, il ne parlait pas, mais il agissait. Donc, comment on appelle ça, ses agissements étaient critiqués, fortement critiqués, et puis rejetés par beaucoup de Béninois. Mais Ajavon, il est resté dans le silence, cette fois-ci, il est sorti. Et puis beaucoup de Béninois s'attendaient à entendre peut-être des révélations
Peut-être que des coups bas entre Patrice Talon, c'est vrai, il a dit. Les Benoît, mais aussi les polémiques, oui, il les faut polémiques, le dire. Mais bon, c'était pas ça. Ben, il a caressé un peu le président, il a fait des propositions concrètes. Il a fait son analyse. En tout cas, c'était une sortie réussie. Il n'a pas fait langue de bois. Il a dit la vérité. C'est ce que moi j'ai aimé. Et puis, peut-être que c'est ce que beaucoup de Béninois, beaucoup d'internautes, de téléspectateurs ont aimé en allant vers cette sortie médiatique. 90 minutes d'émission qui n'a pas ennuyé les Béninois. Alors, dans un autre registre, hein, il y a Elan Média qui relance ses activités. Kader Achir, où vous étiez à la conférence de presse hier. Oui. Elan Média, avec Leader Press Club, cette année, se sont associés pour organiser les journées médias. Il faut d'abord souligner déjà au passage et à l'entame que le sponsor officiel de ces journées médias est EUSAE, dont il a été destiné un grand satisfait et un grand hommage au fondé de EUSAE, Clément Adéchion, parce que c'est lui qui, depuis l'année passée, accompagne les journées cette médias, initiative. Cette initiative, dans toute sa mesure. Alors, cette année, il y a eu plusieurs innovations. Nous avons le photographe Eric Aounou qui va faire une exposition photographique et érotique. Donc, je pense que les téléspectateurs viendront quand même voir. Il y a eu des innovations comme quoi il y a le Wi-Fi qui sera mis en place, qui sera installé pour que les professionnels des médias puissent aller s'installer là-bas, peut-être organiser des conférences de rédaction, écrire peut-être leur papier depuis là-bas, réaliser peut-être des émissions en direct de là-bas, réaliser même jusqu'à, pourquoi pas, des conférences de rédaction. Alors, il est demandé cette fois-ci qu'il y ait quand même un brassage interjournalistique entre les confrères pour que le journaliste de Cap FM puisse peut-être aller présenter le journal à Radio Tokpa, que le journaliste de Radio Tokpa puisse peut-être se retrouver à Canal 3 pour la présentation du JT, et que ce soit ainsi qu'on essaie d'entreprendre et pour qu'on puisse échanger vraiment et pour que chacun puisse prendre corps de tout chacun d'autre. Il a été demandé au professeur des médias de voir. C'est vrai qu'hier, il y avait une grande amertume. L'amertume de Justine Adimi était relative quand même à ce fait que nous, professionnels des médias, qui avions la volonté, qui avions tout le temps le devoir d'aller couvrir des événements pour que ce soit le 8 mars, que ce soit les autres festivités culturelles ou cultuelles, que quand il s'agit de nous-mêmes, nous désertons le forum. La salle était pratiquement presque vide. Il n'y avait pas assez de professionnels des médias. Quand on connaît le nombre de professionnels des médias qui sont au Bénin, le nombre d'étudiants et d'apprenants qui sont en journalisme au Bénin, quand on ne voit pas tout ce nombre et qu'on voit peut-être une infime minorité, on se demande, on cherche à savoir vraiment si nous aimons nous-mêmes et si nous voulons. Il a été dit et il a été répété, il a été martelé que Clément Adéchion ne remet pas des millions au comité d'organisation de l'homme des journées médias, parce qu'il paraît que l'année passée, lorsque ça a été organisé, c'est circulé beaucoup plus dans les forums dans les coulisses, que Clément Adéchion a remis des millions, au comité d'organisation, et que ça a été une mangeoire. Le démenti a été fait hier par Josué. Le démenti a été également fait par André Dossa pour rappeler aux confrères que c'est quand même un devoir qu'ils ont pris le devant des choses pour quand même un engagement, voilà, pour le faire. Alors, autre innovation, il est demandé quand même aux confrères d'être là tous les soirs parce qu'il y aura des artistes en herbe, comme des artistes bien définis et bien compétents, qui vont venir égayer le public. Alors, ce serait un rendez-vous pour, les professionnels des médias et les lecteurs, c'est-à-dire leurs cibles, que ce soit internautes, auditeurs, lecteurs, qui seront là, qui vont leur poser des questions et qui vont voir comment même ils sont en train de faire. Et il est demandé même peut-être que ceux qui font peut-être les revues de presse et autres peuvent peut-être venir là et faire leur revue de presse en direct depuis le stand du village des médias qui sera installé au stade général Mathieu Kérékou. Et cette année, nous avons la marraine de l'événement, c'est notre ministre de tutelle, Rafiat Mourou, qui va présider, qui va diriger cet événement. Le match de football qui sera organisé avec le trophée François Messin aura la bénédiction du ministre des Sports, Oswald Omeki, qui également accompagne l'événement. Donc c'est en quelque sorte cela. Des conférences débats seront organisées de part et d'autre, que ce soit sur les différents sites des écoles, notamment EUSAE. Il s'agira des conférences de débats avec les doyens comme Souley Siaka, les aînés de la presse qui viendront s'entretenir avec les professionnels des médias en gestation et les professionnels des médias qui sont, et je ne dis pas mais des étudiants en formation dans les écoles de journalisme, qui vont s'entretenir avec les différentes astuces du métier de journalisme, à savoir comment peut-être réaliser un reportage, comment réaliser peut-être une émission télévisée,
Et où sont les failles, peut-être même les professionnels des médias, parce qu'il a été évoqué que parfois on est dans le métier depuis 15 ans et il arrive peut-être, on n'arrive peut-être pas à tenir devant un débat, on arrive peut-être pas, on a peut-être un stress par rapport. Alors ce sera le moment de entre confrères, de s'échanger, de demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. C'est vrai que lors des échanges hier, il y a une question peut-être un peu anodine qui a été posée, qui est un peu abus ludique, mais un peu bizarre. Il y a un confrère de Katakula qui demandait s'il y aura des hôtesses. Comment on appelle, pour égayer quand même les professionnels des médias, pour que la compagnie soit quand même beaucoup plus intéressante. Alors, André Dossa a répondu que quand même, il y aura des femmes, il y aura de belles filles, de belles go qui seront là, que ce soit du côté des apprenantes en journalisme, que ce soit du côté des professionnels des médias. Et il a donné comme exemple, Christian a déjà donné comme exemple que l'année passée, par exemple, il y avait des gens qui étaient là chaque soir et qui ne rentraient pas au moins à la maison avec au moins deux numéros. Donc, quand même, ce serait quand même un grand moment de joie et des moments de partage de numéros. Le stade de l'amitié, il y a un coin de prostitution qui se développe là, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut avoir dans la tête le souci de venir prendre le numéro des filles. Écoutez, Elan Média, c'est carrément autre chose. Je crois que cette partie, c'est. Nous sommes journalistes. C'est juste pour rigoler, pour mettre l'ambiance, c'est pas bien méchant. Écoutez, c'est pour avoir des contacts. Les journalistes sont des personnes assez responsables. La plupart sont mariés. Il faut avoir des contacts. Éviter ces gens de brassage. Mais qui sait, ils peuvent se marier également là sur le terrain. Je peux prendre contact avec vous pour un reportage sur la proposition. Ou bien pour une pause de voix avec une fille. Je vous comprends. C'est pour avoir des contacts. Voilà. D'accord, sous des informations. Belle initiative de Elan Média pour conclure. Très belle initiative de Elan Média, mais ce que je déploie cette fois-ci, c'est l'implication du gouvernement qui aura peut-être des conséquences sur la suite des événements. Parce que quand on dit liberté de presse, c'est parti de là. Parce que Elan Média, c'est un brassage entre auditeurs, téléspectateurs, lecteurs et autres. Donc c'est la liberté de presse qui est en place, mais quand vous impliquez le gouvernement, parce que le ministre de Rafia Tumorou, vous l'avez dit tout à l'heure, le ministre Oswald Omeki, du gouvernement. Omeki était là l'année dernière. Les deux étaient parrains l'année dernière. Parce que. Le problème l'année dernière, c'est qu'ils ont envoyé des représentants. L'année passée. J'ai vu le ministre Omeki au stade pendant les matchs là, de l'an média. J'ai vu au stade. En tout cas, je sais. De l'amitié, lui-même en personne. J'étais allé suivre. Moi, je pense qu'il faut éviter d'impliquer. Les membres du gouvernement dans ce sont les premières autorités. Mais quand on va lancer une cotisation au sein de la corporation pour pouvoir. Évidemment, ne comptez pas sur moi. Merci, Kader Achirou. C'était le débat. Évidemment, ne comptez pas sur nous pour les cotisations. Pourquoi on va pas compter sur vous? C'est comme ça que ça se passe dans la profession. On l'aurait fait avec beaucoup de cœur, mais malheureusement, c'est comme ça. Le cordonnier est souvent mal chaussé. Mais Usaoui TV va relayer pour vous tous ces événements de Elan Média, évidemment, pour votre plaisir. Nous allons passer à Free Sport avec Léandre Kodo et puis Anifat Boukari est là pour nous présenter les prévisions astrologiques. Free Sport avec Léandre Kodo, bonjour. Bonjour Nadège. Usaoui, en fait, c'est la semaine culturelle. À cette occasion, un match de gala a été organisé hier au stade René Pluven d'Akwakwa. Une rencontre entre le corps de l'administration et les étudiants. Score final, 0-0. On écoute quelques avis recueillis à la fin de cette rencontre. C'est les avis qui sont en train de fêter. Donc, on a décidé de jouer un match entre les étudiants et puis le staff. Donc, on a programmé, c'est ça, on a joué tout à l'heure. Et le match, c'est sorti parce que match nul. On a constaté beaucoup d'erreurs de positionnement, donc ce qui n'a pas trop favorisé l'équipe. Et je dirais que, bon, ça s'est équilibré, mais il faut, ce qui est déplorable dans le match, c'est que l'arbitre aussi n'a pas eu un sang-froid parce qu'on a constaté que de l'autre côté, il y avait des fautes qui n'était presque pas sifflé ou qui n'était pas sanctionné normalement de carton. And the game was quite good. I enjoyed the game. It was a fun match, an entertainment match. As you can see, the fans are really happy to be entertained by the match. So it was a very, very good match. Both sides played well. It ended draws, zeros. Il y avait un mélange quand même de joueurs plus ou moins talentueux. Nous, on était en sous-effectif, mais vu l'entraînement régulier auquel on est soumis, individuellement parlant bien sûr, parce que
croyez-moi, certains d'entre nous s'entraînent énormément. Donc, ça a donné ce que ça a donné. On a fait un match. Mais on pouvait quand même marquer vers la dernière demi-heure. Mais je pense que dans l'ensemble, ça va. En somme, c'est Isaac qui gagne. On part directement en Ligue 1 pour suivre Metz Paris Saint-Germain qui s'est soldé par un score de 3 buts à 2, un doublé de Matuidi. C'est un match en retard de la Ligue 1. On voit tout ça en images. Ваш комментатор на канал холдинга Матч ТВ Павел Занозин. Кажется, интересная фигура это камерунец Крис Филлипс. Но пока не об этом. Подача в штрафную первый раз вступает в игру Эйдзи Кавасима. Подача на дальнюю штангу. Опять выход Кавасимы. Это смещение в центр хорошее получилось. Кавани еще открывался. Можно было пытаться на него сыграть. Рядом будет низом. Вот такой пас. Скидка. Здорово все придумать. И почти каждое действие у него довольно защитником и нападающим, потому что вот там, когда с левого фланга идет атака, приходится бить по ним. Лукас еще одну передачу зачем-то отдает. Просто пас на свободное пространство. Да... Лукас Моура в штрафную. Менье с левой не пробить, а с правой неудобно. И опять он. Это удар поворотом. Готовка Васима. Добивание Менье. Такой же хитрый, загорая на стульчике возле ворот. Обыгрыш роскошный от Маркиниса. А дальше, к сожалению, для Максвелл. Подача Кавани. Надо забивать. Не смог здесь выйти Кавасима. Нет шансов для Меца. Да, здесь защитники, конечно, позволили очень легко войти. Все первые полчаса. Сейчас не удалось. Но к этому мячу бразильцу было не успеть. Включение в этот матч. Подача на дальнюю штангу. Мог сразу. И просто был достаточно полезен. Здесь. Кстати. Довольно неплохо, кстати. Брати еще направо. Гедеш обыгрывает соперника. Падение. Натолкнулся. Диабате. Безусловно, это нарушение правил. Жуфар. Удар. И 2-1. Очень хороший удар по уходящей траектории. Подача в штрафную. Где там Диабате? А Кратти, конечно, хорош. Чуть-чуть не идеально. Удар выше ворот. Теперь Менье. Менье в штрафной. Скидка под удар. Здорово. И Кавасим. Ничего в этом матче не предвещало беды для ПСЖ. Абсолютно, тотально переигрывал. И вот они, два пропущенных мяча. И теперь уже, конечно, привет, борьба. Жуфар, Берегладина, Диабате принял, пробить не вышло, а дальше, к сожалению, падение нарушено. Невероятная просто атака, в штрафной поселился ПСЖ, Матюиди, 3-2. Как здорово все-таки, что в футболе бывают вот такие вещи на самом деле, потому что... Cap sur la Ligue des Champions, les quarts de finale retour. Le Real Madrid était opposé hier au Bayern de Munich. Score final 4-2, dont un triplé de Cristiano Ronaldo. Après l'ouverture du score de Lewandowski qui a manqué le match aller. On revoit tout ça en quelques secondes. Ribéry, Alaba, si sovrappone lui, va a cercare ancora Ribéry, gran palla, la mette in mezzo. Attenzione, Murato, Thiago Alcantara, Robben! Che occasione questa! Prima palla gol per il Bayern Monaco. L'azione avviene come ti dicevamo. Lui. Lo scarico per Vidal. Zona tiro. Vidal, prova! Non va. Bel Bayern. Sì, sì, Sandro, hai ragione. Bel Bayern. Preferisce giocare il pallone anziché prendersi l'angolo. Parte il cross verso Ronaldo. Benzema, attenzione! Sfiora soltanto. Aldo, attenzione. Tre si avventano. Carvajal, zona tiro. Ci pensa, prova! Neuer! Non ha toccato, sembrava di sì, l'arbitro non concede l'angolo, pubblico anche. Attenzione, Carvajal, tiro cross, Neuer stavolta sbaglia, attenzione, la bomba di Ramos, Murato. Hummels, rischia con Benzema, incredibile, da infarto questo tentativo di Hummels. C'è Alaba, rimpallato, Benzema prova a liberare il sinistro, Carvajal, la sponda, cross, prova, non va. C'è Benzema dall'altra parte, Cristiano Ronaldo, pronto al tiro, lo prova Neuer. Ancora con qualche difficoltà. Attenzione, Bayern un po' sbilanciato, Marcelo si accentra, palla sul destro, Toni Kroos, tutto solo, Murato, ha perso anche qui un tempo di gioco. Si allarga dall'altra parte, Marcelo, dribbling secco, allarga, Cristiano, sinistro, e sbaglia.
Cristiano, tutti dentro, parte il cross, Boateng ha messo fuori, Isco controlla il tiro, fuori, liberi, parte Alaba, tocco per lui, attenzione a Robben, prova a girarla, Marcelo sulla linea, incredibile, cerca il numero, Robben subentra lui, attenzione, ha battuto Robben, e calcio di rigore, calcio di rigore. Lewandowski, parte lui, la finta Lewandowski, non sbaglia, non sbaglia Lewandowski, riapre tutto, Bayern Monaco in vantaggio. Incredibile, si è riaperta, si è riaperta, si accentra improvvisamente, attenzione, c'è Vidal tutto solo. Che occasione, tutto è cambiato. Era davvero come ha annunciato, c'è ancora qualche dubbio. Attenzione a Casemiro, va a cercare Ronaldo, prova a girarla, rete, rete, proprio lui, Cristiano Ronaldo fa impazzire il Bernabeu nel momento più difficile. Manca un po', parte il lancio, Müller per Lewandowski, cercano il dialogo, poi tocca lì dietro, incredibile autogol, il Bayern Monaco passa in vantaggio su un autogol grottesco, e invece c'è il secondo giallo. E quindi il rosso, sembrava aver trovato il pallone. Di protesta adesso vibranti, Vidal trova il pallone. Assolutamente, ma poi è nettamente in anticipo. Cross, Cristiano Ronaldo. Attenzione, cerca spazio per il tiro, la prova, Neuer. Vola, attenzione, le finte, Asensio, controlla il tiro, Neuer. Un guizzo perché stava andando dall'altra parte. Sta partendo Carvajal, Ronaldo, controllo, tiro, rete, rete, proprio lui, ancora lui, sempre lui. Rivediamo tutto, la posizione, clamorosamente, fuori gioco, clamoroso, penetra, deve dribblare anche l'arbitro, tutto solo Marcelo, l'appoggio ancora, Ronaldo, rete, rete, Ronaldo, rete, la tripletta, 100 in Champions! Vuole ancora il pallone, Asensio va dall'altra parte, prova a far tutto da solo, Asensio, incontenibile, rete! Asensio! Anche lui partecipa alla festa del gol, 4-2. Eh bien, des contestations se sont faites observer, à commencer par Carlo Ancelotti, le maître, l'entraîneur du Bayern de Munich, qui regrette l'arbitrage. Le partido que hemos hecho lo hemos planteado muy bien, lo hemos jugado muy bien. Y creo que merecíamos más. Y después hay las decisiones que nos han penalizado mucho, honestamente, porque la tarjeta de Arturo no era tarjeta y después los dos goles de Cristiano eran fuera de juego. Entonces, es claro que no estamos contentos de esto. Creo que en un cuarto de final tú tienes que meter un árbitro que, no sé, con más calidad, creo. O creo que es el momento que me están intentando, creo, la UEFA, es el momento que de poner vídeo porque hay demasiados errores. En este periodo hay demasiados errores. Et cette fois-ci, c'est Zinedine Zidane qui prend la défense de ses joueurs et qui s'explique à la fin de cette rencontre. Ha hecho un gran partido y yo creo que se ha merecido, ha dado la victoria al equipo hoy con su segundo gol. Y ya está, claro que estoy contento con el partido de Isco, pero con la actuación de todo el equipo. Ha hecho la diferencia, me alegro por él, el Real Madrid es su sitio y no hay que, ahora hay que descansar y pensar en el partido del martes, nosotros. Fin de cette page sportive, Nadège Diwan se revoit demain pour les deux matchs, les deux affiches de cette journée. On se voit demain pour les résultats. Et on rappelle que dans l'édition du journal de 19h, nous aurons tous les détails sur ce match de gala organisé par ESAE. Voilà, merci à vous Léandre Kodo. Merci Nadège. Voici les prévisions astrologiques avec Anifat Boukari. Bonjour Anifat Boukari. Bonjour Nadège, ami des signes du zodiaque, bonjour. Bélier, vous devez absolument éviter les situations trop complexes,
Taureau, ne commencez rien de nouveau. Taureau, ne commencez rien de nouveau. Gémeaux, vous aurez peut-être du mal à vivre sereinement aujourd'hui. Cancer, vous aurez l'occasion de vous repositionner en tordant le cou à vos émotions. Lion, vous êtes particulièrement doué pour deviner ce que pensent les gens. Vierge, vous ne voyez pas les défauts des autres et vous pouvez vous tromper. Balance, vous vous concentrerez sur ce qui est effectivement possible et non enviable. Scorpion, il vous faudra faire preuve d'un peu de diplomatie aujourd'hui. Capricorne, la vie professionnelle prend le pas sur les autres secteurs. Verseau, il faudra vous défier des accès de confiance aujourd'hui. Et pour finir, Poisson, vous paraîtrez distant et vous manquerez de chaleur dans vos échanges. Ce sera tout pour ce matin. Merci de m'avoir suivi. Merci à vous, Anifat Boukari. Toute l'équipe de la présentation et de la réalisation de l'émission Frématin vous remercie de nous avoir suivis. On va prendre rendez-vous pour demain pour un autre numéro de Frématin. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.